Bonjour à tous et bienvenue dans l'Info Outre-mer. On commence aujourd'hui avec cette image, un avion nommé Basse-Terre du nom de cette commune de Guadeloupe. Depuis un an et demi, Air France entreprend de rebaptiser ses appareils. Basse-Terre est la quatrième destination ultramarine à être ainsi mise à l'honneur, à l'instar de Saint-Denis de la Réunion ou encore de Papeete. Voyager, justement, plus simplement et sans Covid-19 à l'horizon, c'est ce que promet le pass sanitaire. Déjà expérimenté sur les vols entre la Corse et l'Hexagone, il le sera bientôt avec les Outre-mer. Fabienne Léonce et Marc Palsa. Un pass sanitaire pour voyager, mais qui dans quelques temps serait tout aussi nécessaire pour participer à de grands rassemblements en toute sécurité. C'est encore mieux parce que souvent le papier, on peut l'égarer ou on peut être à l'aéroport et puis on a oublié de le prendre, donc c'est pas évident. Donc comme ça, on n'oublie presque jamais son portable, c'est sûr qu'on l'a dessus. Avec les aléas, j'ai des enfants qui sont en métropole, donc il se peut que j'ai à me déplacer d'une manière assez légèrement. On a presque envie de dire que les gens ils font comme ils veulent. Hein. Après, c'est chacun, il va de la responsabilité de chacun. Si ce dispositif semble être la solution pour satisfaire le plus grand nombre, il suscite néanmoins quelques réserves. Si je dois voyager, c'est obligatoire. Je serai obligée de le faire parce qu'on m'y oblige. Voilà encore, je ne suis pas libre. Maintenant, le test n'est plus valable puisque le papier, les gens peuvent falsifier. Donc, il faut qu'il y ait un test traçable. Peut-être que ça peut être bien. Alors moi, à titre perso, si je veux voyager, ben, je ferai mon test PCR à l'aller comme pour le retour. Et puis, s'il y a un pays qui impose la vaccination pour entrer, ben, on n'ira pas, c'est tout. Le pass sanitaire n'est pas le passeport vaccinal qu'imposent certains pays comme Israël. De son côté, la Polynésie a rouvert son ciel aérien aux touristes présentant peu de risques. Des vacanciers américains essentiellement, dont beaucoup sont déjà vaccinés. Ils sont en fin de retour et avec le sourire. Natacha Silagi, Mirko Vandefou. Les Américains sont de retour malgré les contraintes sanitaires. La Polynésie en attend 1000 par semaine, tous vaccinés, en couple, et pas du tout dérangé par les tests PCR à faire à l'entrée. C'était sans problème jusque-là, mieux que chez nous. Ça ne vous a pas dérangé? Pas du tout. Je ne pouvais plus attendre pour venir ici. Ça fait un an et deux mois. Je suis prête. C'est beaucoup de procédures. C'était pas compliqué. C'était très bien géré. Ils ont fait un bon travail. Le hall de l'aéroport retrouve ses couleurs. Les prestataires de service reprennent leur rythme. La clientèle américaine, heureuse d'être à Tahiti. Enfin, vous êtes ouvert. C'est bien d'être ici. Vous êtes content? Oui. J'avais quelques inquiétudes, c'est pour ça que je suis venu ce matin, mais effectivement, ils sont assez compréhensifs, sont dans l'attente, sont disciplinés. C'est assez agréable d'ailleurs pour les équipes. Et pour le moral des PNC, le nouveau programme des vols vers Los Angeles est exactement ce qu'il fallait. C'est de l'espoir pour nous et puis ben, pour toutes les familles ici. Le secteur du tourisme relancé, surtout à Bora Bora, dont près de 50% de la clientèle est américaine. Le mythe de la perle du Pacifique n'a pas perdu de sa force, même en pleine crise sanitaire mondiale. Eux ne prendront pas l'avion. Les indépendantistes calédoniens du FLNKS déclinent l'invitation du Premier ministre Jean Castex. Ils ne participeront pas aux discussions prévues fin mai à Paris sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ils estiment que cette mission n'a pas été assez préparée. Enfin, ce 5 mai marque le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Une commémoration aura lieu tout à l'heure. Elle sera présidée par Emmanuel Macron. Un hommage qui fait débat tant le personnage est controversé, notamment pour avoir rétabli l'esclavage. Bruno Satt avec Massimo Bulgarelli et François Broge. La commémoration permettra d'évoquer les aspects brillants et la face sombre de Napoléon, un en même temps qui ne satisfait pas les détracteurs de l'ex-empereur auxquels il reproche des crimes majeurs. Un crime politique, le coup d'état du 18 Brumaire, ensuite des crimes de guerre dans toute l'Europe, et ensuite un crime contre l'humanité, bien sûr le rétablissement de l'esclavage dans les colonies. On ne saurait, de ce point de vue, commémorer un individu comme celui-là. L'enseigner, oui, le commémorer, non. Louis Georgetin fait même une contre-proposition. Il ne faut pas garder le corps de Napoléon aux Invalides, il faut respectueusement remettre la dépouille à la famille et transformer les Invalides, pourquoi pas, en un musée de l'histoire des Républiques.
Pour ses défenseurs, Bonaparte est incontournable au vu de ses réalisations et il n'était pas vraiment partisan du rétablissement de l'esclavage. Quand on lit les minutes du Conseil d'État où le débat de la loi du 20 mai 1802 a eu lieu, on s'aperçoit que le seul qui est contre le rétablissement de l'esclavage, eh bien c'était lui. Quand il le fait, il cède avant tout au lobbying économique des armateurs de Nantes et de Bordeaux. Un rétablissement facilité par l'émergence d'une idéologie raciste à la fin du XVIIIe. En outre, l'esclavage conditionnait l'ambition coloniale de Napoléon, faire du golfe du Mexique une Méditerranée française. Un projet qui échouera avec la perte de Saint-Domingue, devenu Haïti. Merci de nous avoir suivis. L'info des Outre-mer continue sur lapremiere.fr. Bon après-midi, à demain.